Bonjour, bienvenue sur Scooter Micabouette, petite vidéo à l'arrache. C'est une suite de la vidéo que, qui a été faite il n'y a pas longtemps sur la 89, qui a été faite, la dernière vidéo qui a été faite si on peut dire. J'ai tout remonté sur la 89, j'ai fait les essais. J'ai un problème, elle ne tire pas. Elle ne tire pas. Elle dépasse pas 40. Grand max 45. Il y a encore quand elle est décidée. Elle est beaucoup trop décomprimée. Le problème, il est là. Je m'en doutais un petit peu. J'avais vu que le piston il montait plus en haut du cylindre. Donc euh, j'ai pas le choix. Je vais être obligé de, de démonter le. Redémonter le moteur. Enlever la cale et le joint. Euh, je vais refaire euh, des tests avec les culasses directement. Donc là, j'ai la culasse 45. Je vais... Euh, du coup je vais redémonter, je vais laisser le joint de 0,50, prendre le taux, enfin plutôt le joint de 0,80 parce que j'ai peur que le 0,50 ça soit trop fin. Et refaire un test, voir le taux, je le marque, je refais un test avec la culasse d'origine. Et on reprend les taux aussi. Après, je verrai lequel est le mieux. Mais là, c'est pas utilisable. Actuellement, à savoir que ça n'a pas résolu mon problème de chauffe. Donc, faut arrêter de dire que quand un moteur chauffe, c'est les taux de compression qui sont trop C'est de la branlette parce que j'avais 15,77 pour 1. J'étais à 135 degrés autour de la bougie, 120 degrés autour du cylindre. J'ai décomprimé le moteur. Là, actuellement, j'ai un taux de 8,17 pour 1. Donc, elle est décomprimée à mort et ça chauffe toujours autant. Je pense que je vais plutôt repartir sur le, la culasse RRD, joint de culasse de 0,80 en joint de culasse. Et je vais la recomprimer en fait à 15,77 pour 1. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avant, elle était comprimée comme ça et elle marchait. C'est moi qui n'ai pas pensé à un truc. En fait, j'ai eu un serrage moteur dû à une prise d'air sur l'ancien cylindre. Un serrage moteur dû à une prise d'air au joint SPI côté variateur. J'avais refait les joints. J'avais changé de piston, petit coup de rodoir dans le cylindre. Les, les jeux, j'étais dans la tolérance, j'étais un peu haut, mais j'étais dans la tolérance. Et ensuite, j'ai refait un deuxième serrage moteur à cause de la pipe d'admission que j'avais achetée chez mon concessionnaire. Il y est pour rien, c'est pas lui le responsable, le responsable c'est le, le fournisseur. Euh, et j'ai serré le moteur, et depuis ça, elle n'a plus jamais voulu fonctionner correctement. Là, à savoir que. Elle n'est pas utilisable. Je roule poignée à fond. Je suis à 40. Moteur froid. Vous imaginez, moteur chaud. Moteur chaud, elle va perdre un peu de puissance. Donc, ce n'est pas le top. Donc, je n'ai pas été loin avec. Donc, normalement, je prie le bon Dieu que les joints ne se soient pas collés. Je ne les ai pas montés à l'huile. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas coller. Euh, faut que j'enlève un joint en base et un joint de culasse. Donc c'est cool. Donc, euh, on va faire les tests. Je vais reprendre les taux et tout ça. Puis voilà quoi. Bon, elle sera pas remontée ce soir. Parce que là, il est 23 heures, il n'est pas loin de minuit. Du coup, je suis obligé de renlever l'allumage aussi. Parce que, bah, là, du coup, je suis calé à 1,7 avant le point moro. Mais là, j'ai une cale de 1 mm. Je vais retirer la cale de 1 mm et un joint. Donc, du coup, je suis obligé de refaire le point d'avance. Obligatoirement. Sinon, je vais avoir trop, je vais avoir trop d'avance, quoi. Et c'est pas le but non plus de serrer le moteur à cause de l'avance. Alors, euh... Je me doutais un petit peu, depuis le départ, que c'était pas le taux. Tout le monde me parlait de taux, de taux, de taux, de taux. J'aurais percé le piston, ça aurait pu l'expliquer. Ça aurait pu l'expliquer. Sauf que je ne perce pas le piston. Euh, j'ai regardé sur la chaîne, la culasse RRD a été montée il y a deux ans. Vous voulez voir ce que j'ai fait en kilomètres en deux ans? Voilà le kilomètre que j'ai fait, depuis que la culasse est montée. 1355. elle a fait peut-être un petit peu plus parce que quand j'ai monté la culasse j'avais encore le compteur d'origine enfin le compteur qui était sur la mobile quand je l'ai acheté donc euh, le piston je ne l'ai jamais serré, percé je ne l'ai jamais serré le serrage comme je vous ai dit les deux serrages que j'ai eu je vous les ai expliqué ça arrivait il n'y a pas longtemps et euh, après avoir fait le premier elle marchait mais elle marchait tout le temps le temps, tout le temps 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 même à chaud elle marchait je pense que le problème de chauffe euh, le fait qu'elle perdait de la puissance c'est pas à cause de la chauffe c'est moi qui fais le con j'ai pris des jeux de l'autre cylindre là je les ai pris tout à l'heure et j'ai 0,60 de jeu à la coupe au segment et j'ai 0,25 de jeu cylindre piston ce cylindre là je l'ai mesuré en vidéo j'ai 0,10 de jeu cylindre piston et j'ai 0,25 de jeu à la coupe au segment. Et je pense que c'est à cause de ça qu'elle ne marchait plus quand elle était chaude. Parce que forcément, un moteur, plus il va chauffer, plus il va se dilater. Sauf que s'il est déjà dans les choux dès le départ, automatiquement, ça va être encore pire quand le moteur va chauffer. Bon, les segments, ils vont se rétracter. Mais le cylindre, bah, il va plus se dilater, lui. Donc euh, voilà, je pense que le problème vient de là. Donc là, il faut que je redémonte culasse cylindre. Pour ça, moto bécane. Hein. Donc on est obligé de démonter le moteur du châssis. Ça, c'est bien. Ça, pour le coup je commence à regarder un petit peu Peugeot, au moins tu voulais enlever le moteur, tu n'avais pas besoin de. Enfin, tu voulais enlever la... le cylindre, tu n'avais pas besoin de démonter le moteur. Euh, du coup, je sors là. En... Bah je vais redémonter le pot, le carbu, l'allumage. Le... J'ai pas le choix parce que de toute façon, je suis obligé de leur... leur caler. Et allumage électronique pour tout débrancher, c'est plus vite de défaire l'allumage de... du moteur que de défaire les fils. Parce que l'allumage est bien foutu, c'est un lotaire. D'ailleurs j'ai rentré un j'ai récupéré un allumage euh, Origine51. je ne sais pas trop ce que c'est comme modèle, il faut que je le nettoie. De toute façon faut que je le nettoie, il faut que je refasse les broches. Alors le CDI, je ne suis pas sûr que ça soit en Origin par contre. Mais euh, j'ai rentré un... un allumage complet euh, Origine et il va falloir que je regarde. Donc je vais vous faire des petites vidéos, des petites rushs hein, par moment quand, euh, quand je reprendrai le. quand je ferai les... le montage parce que là je suis pas avec la caméra, je suis avec le portable, c'est une vidéo à l'arrache je vous le dis tout de suite, qualité, ça sera pas, la, ça sera pas le top donc c'est bon c'est remonté j'en ai marre d'un truc, ça se desserre toujours la culasse en fait pourtant c'est collé au frein filet rouge hein. c'est voilà, hein, du 271 que j'utilise hein, de chez L'Octite serré à 22 N ça se desserre encore, j'ai même pas fait beaucoup de kilomètres que... j'ai même pas fait un kilomètre en fait et ça se desserre, donc euh, je comprends pas euh, ça me saoule, littéralement, ça me saoule. Il y a que sur la mobilette que ça me fait ça. J'ai pas ce problème-là sur le scooter, la 89 la, la DT ou quoi que ce soit, ça me le faisait pas. Les goujons sont neufs, les écrous sont neufs. Enfin bref, donc du coup j'ai enlevé la cale et un joint en base. Donc des fois de pas l'huiler, c'est bien utile, ça, au moins ça évite qu'il pète. Donc voilà, j'ai remis le joint de 0,80, j'ai pas mis le, le 0,50 parce qu'il faut quand même qu'elle soit décomprimée un minimum. Donc euh, là je vais monter le mettre le piston en point mort haut, je fais le rapport volumétrique et enfin je, je prends le taux et on se reprendra en haut pour le, pour le site aussi pour vous montrer sur quel site j'utilise. Donc là j'ai fait le, le test hein, avec le produit, j'ai 8,76. De rapport de volume de chambre, donc maintenant j'irai faire l'opération avec le site euh, pour savoir combien j'ai de taux de compression. Normalement, je devrais retourner à 15,77 normalement pour 1. Euh... D'après ce que je vois, c'est normalement c'est censé être trop, mais là à 8,17 pour 1, elle tire pas. Je m'en doutais, c'est pour ça que je voulais normalement 12. Pour avoir 12, il m'aurait en fait une cale de 0,5 et euh, manque de bol, c'est que les cales pour AV7. Euh, c'est 1 mm ou 1,5, il n'y a pas la taille en dessous. J'ai vu qu'il y en a. J'ai vu qu'il y avait... Euh, je sais plus, je crois que c'est Vince Mopet qui avait fait une vidéo. <coughs> Mais il l'a fait sur un 47, lui, pas sur un 45. Et il a mis une cale d'Av10 hein, sur un AV7. Mais euh, il dit il oh, n'y a pas de problème, ça marche et tout. Mais s'il y a un problème. Les Av10, il hein, y a un transfert à l'arrière, pas les AV7. Et du coup, ben, il a mis ça avec deux joints, avec problème, d'accord, sauf que ben, il, y a quand même une, il y a quand même une prise d'air. Je sais pas, il faut être logique quand même, à un moment. Et euh, surtout qu'en plus, le transfert dépasse, euh, sur sa cale, le transfert dépasse le joint euh, AV7. Hein, parce que les joints AV7, en fait, je peux vous montrer parce que, bah, d'accord, il a été utilisé, mais. Ah, C'est la partie du haut, je vous montre là. Il n'y a pas épais, hein. Euh, faudrait que je vous montre ça. J'ai un AV10 là en dessous. Faudrait que je vous montre. Et vous allez voir. C'est pas du tout. Pas, ça se monte pas quoi. Sinon j'aurais pris une décale de, de 0,5. 0,4. Ça existe pour AV10. Pour AV10. Mais pas pour AV7. Le problème il est là. Et je pense qu'il m'aurait fallu une cale de 0,5. Et je pense qu'avec une 0,5 ça serait passé. Donc là j'ai 8,76. Je vais regarder le taux. Et euh, si jamais je vois que ça va pas, euh, j'essayerai éventuellement avec la culasse d'origine. Le, le, il est un peu plus haut, le, le plan de joint. Mais après, je vais me retrouve avec un squish qui est à la stratosphère. Là, déjà, le squish, on est à 2,33. Hein. Donc. Ersal, euh... pourquoi vous fournissez pas la culasse qui va avec ce cylindre Ça éviterait de nous casser le cul. Hein Merci. Donc je remonte ça comme je vais remonter ça comme ça, on verra bien euh, les percs qu'elle a. J'ai regardé, j'ai revérifié la coupe au jeu au segment. C'est bon, ça n'a pas bougé. On est toujours à 0,25. J'avais une perte de compression euh, après l'avoir mis en route la première fois parce que les écrous sont desserrés. Euh, ça commence à me saouler ça. Je pense que euh, il va y arriver un, un truc, c'est que je vais y rajouter une paire d'écrous par-dessus. En contre-écrou, parce que j'en ai marre, que ça se desserre comme ça, littéralement. Ça va faire dégueulasse, mais j'en ai marre. Moi, ça peut pas. Là, la mobilette elle a fait, elle a même pas fait un kilomètre. Elle a fait, elle a fait 800 mètres, 500, 800 mètres, elle a fait. Elle a pas fait plus. Hein. <coughs> Donc euh... là où là, c'est serrage de Newton. Je suis déjà trop. Normalement, un cylindre lui, c'est 15. Donc euh... où je revérifierai le serrage moteur chaud, mais la faire chauffer et bien la serrer euh, à donf comme ça au moins euh, ça bougera plus. Mais pourtant, normalement, avec euh du Loctite 271, ça ne devrait pas bouger.